Alors, première chose à dire, c'est que évidemment, je me suis focus pour essayer d'avoir le moins de UR possible. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des SR, évidemment. Et deuxième chose, c'est que le deck, évidemment, c'est pas un deck opti, c'est un deck qui est là pour être le plus low cost entre guillemets possible. Pas d'extra, non. Pas d'extra. En tout cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'extra. Mais basiquement, le deck est pas obligé de jouer un extra deck. En fait, vous aurez remarqué que les 4 decks budget que je vais présenter sont 4 decks qui ne jouent pas d'extra deck. Enfin, qui en tout cas qui n'en jouent pas énormément. Ce qui est normal étant donné que les extra decks, généralement, c'est des cartes extrêmement fortes et qu'il y a énormément d'ultra rares dans les extra decks. Il manque le vaisseau des ténèbres pour negate. Non, hein, manque rien. Manque rien là-dedans. Tu veux dire lui? Tu veux sans doute dire lui, je pense. Celui qui annule les magies. En tout cas, je crois que c'est lui qui annule les magies. Mais normalement, je l'ai mis juste parce que c'est une rare et que. Mais normalement, on ne le joue pas. Mais je l'ai mis parce que c'est une rare et qu'il est quand même relativement jouable dans une certaine mesure. La UR. Hein. Celui-là? En fait, la seule UR que j'aurais pu mettre, c'est elle. Mais lui, il faut pas le jouer. Il est pas bon. Il est pas bon, ce monstre-là. Il faut pas le jouer. Il a un gros gros défaut que les autres Cosmos n'ont pas. Je sais pas si vous l'avez repéré, mais lui et lui, c'est pas du tout les mêmes. En fait, tous les vaisseaux Cosmos rappellent qu'ils ont un effet. C'est s'ils sont détruits au combat ou par un effet de carte et envoyés au cimetière, vous pouvez les bannir et invoquer spécialement un monstre Cosmos de max niveau la carte moins 1. Donc là, vu qu'il est 8, c'est moins 1, c'est max niveau 7. Lui, il est niveau 7, donc c'est max niveau 6. Lui, il est niveau 5, donc c'est max niveau 4. Vous invoquez depuis le deck. Mais l'éclipseur, il n'a pas ça. Si cette carte est détruite et envoyée par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajouter un monstre Cosmo de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui rend la carte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte que toutes les autres. Puisqu'on l'ajoute à la main et on l'invoque pas. Et ça, c'est un gros, gros problème. C'est vraiment pas une bonne carte. Ouais. Je me souviens très très bien que championnat de Belgique en 2000, je sais plus en 2000 combien, en 2014 je pense, je crois que c'était ça, ou même pas championnat de Belgique, un bête tournoi à Bruxelles, où un deck Cosmo rageait d'avoir perdu, parce qu'il disait ouais mais si j'ai invoqué Eclipseur et qu'il avait fait son effet, et qu'il aurait pu invoquer depuis le deck. Je lui fais non, 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 t'invoques pas du deck, cette carte elle ajoute de la main. Et là, il a dit, mais si ça invoque du deck, non, non, lis ta carte. Non, non, c'est la carte là, elle est pas bonne. C'est clair, elle est stylée, mais malheureusement, la carte elle est pas bonne du tout. Mais la fermière, on peut la tuto autrement. En fait, il y a un autre moyen de la tuto. C'est tu as Cosmoville sur le terrain, tu invoques ton Sleep Rider, tu fais son effet, tu détruis Cosmoville, tu fais effet de Cosmoville, tu vas chercher la fermière, tout simplement. Chercher fermière, c'est vraiment pas compliqué. Il y a Tinkan pour aller la chercher, il y a Cosmoville pour aller la chercher, il y a téléporteur d'urgence pour aller la chercher, il y a n'importe quelle destruction de vaisseau. C'est pas comme si c'était compliqué d'aller la chercher. C'est vraiment aller chercher. La fermière, c'est vraiment pas difficile. Ce qui est dommage, c'est que tu n'auras jamais de support. Ah, peut-être qu'un jour, on verra bien. Mais le deck Cosmo, c'est l'avantage, c'est qu'à partir du moment où il est lancé, tu as accès à tout ton deck. Tu peux avoir accès à tout ton deck sans aucun problème. Donc rappel Cosmo, comment ça fonctionne. Généralement, vous allez invoquer votre boîte, donc C3PO, R2-D2. Vous allez invoquer votre R2-D2 simplement normalement ou avec le téléporteur d'urgence. Et ensuite, en fin de tour, faire son effet, payer 500. Révéler 3 Cosmo depuis votre deck. Il y en a un qui sera ajouté au hasard à votre main et les autres seront mis au cimetière. Ceux qui seront mis au cimetière, vous allez pouvoir les reborn pendant le tour adverse avec Oasis des âmes. Et du coup, par exemple, comme des cartes comme Destructeur des Ténèbres ou Glisseur, quand ils sont invoqués, permettent d'avoir un effet. Le Glisseur permet de détruire une magie piège. Le Destructeur permet de détruire des monstres. Et on rappelle aussi que tous les petits Cosmos du niveau 5 et moins, donc c'est-à-dire Dark Lady, Méchante Sorcière, Bonne Sorcière, Singe Trooper, Épouvantail et Boîte de Combat, ont tous un effet rapide de pouvoir se bannir depuis le terrain en cost. Donc ça esquive impermanence, ça esquive Veiler. Et ensuite de pouvoir invoquer un Cosmo depuis votre main qui est niveau lui plus 1. Donc là où les vaisseaux invoquent un du deck
qui est niveau E-1, bah, eux, ça invoque un niveau E plus 1. Donc lui, il invoque un niveau 3, lui, il invoque un niveau 4 de la main, lui, il invoque un niveau 5 de la main, lui, il invoque un niveau 5 de la main, elle invoque un niveau 6 de la main, lui, un niveau 2 de la main. En fait, les petits montent en niveau, les vaisseaux baissent en niveau. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des combos, par exemple avec Destructeur des Ténèbres, qui est aussi à la fois un destructeur sur le deux-bords adverses et un tuto, parce que, basiquement, si vous avez besoin d'une carte spécifique, vous pouvez faire l'effet de Oasis pour Reborn le destructeur, effet de destructeur se détruire lui-même, effet de destructeur que les détruits envoient au cimetière, vous pouvez le bannir et invoquer un Cosmo depuis votre deck. Et si vous avez besoin de ressources, vous pouvez invoquer le Tinkan. Par exemple, imaginons on est à une phase adverse. Vous activez ça, Reborn ça, effet de ça se détruit lui-même, effet, vous allez invoquer lui depuis le deck, effet en une phase, payer 500, révéler 3 et reprendre notre truc en main, vous faites de la ressource. Ce genre de petits détails, mais qui changent tout. Sachant qu'en plus de ça, il faut aussi bien se rappeler que Précurseur et Destructeur sont tous les deux des monstres qui ne sont pas ciblables par l'adversaire. Sont pas ciblables par. C'est ça, par l'adversaire. Et du coup, ça les rend pas si faciles que ça à gérer. Donc, il est obligé de les détruire soit avec des cartes comme Raigeki Trou Noir, soit des cartes avec des effets non ciblables comme Dingirsu ou Zeus, par exemple. Et du coup, c'est quand même embêtant pour l'adversaire de devoir craquer ce genre de ressources. Surtout quand ça, bah, derrière, vous pouvez très bien faire par exemple des hommages torrentiels pour détruire vos cartes, donc détruire vos vaisseaux qui vont trigger leurs effets. Pareil pour Cosmojo qui permet de détruire une de vos cartes pour bannir une carte adverse, soit sur son terrain, soit dans son cimetière, et tout ça sans cibler. Donc très très forte carte aussi. Puis j'ai rajouté des évacuations, sait-on jamais que vous avez besoin de reprendre des cartes ici en main. Faut aussi se rappeler de Cosmoville qui a trois effets. Le premier qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir récupérer vos Cosmos qui sont bannis en payant des points de vie. Donc ça fait du recyclage. Le deuxième, ça permet de reshuffle un peu votre main si vous briquez, parce que mine de rien, le deck a quand même une certaine tendance à briquer. Et enfin, le dernier effet, c'est si la carte est détruite, vous ajoutez une carte Cosmo de votre deck à votre main. Ça peut très bien être un petit monstre comme les boîtes ou l'épouvantail, ça peut être un des gros vaisseaux, mais ça peut très bien être aussi une magie piège comme Cosmojo, voire même une autre Cosmoville. Ça joue en 2022, Trou Noir. En vrai, oui, c'est tout à fait joué. En TCG en tout cas. Trou Noir, c'est joué en TCG. Oula, il y a eu beaucoup de messages. Peut-être un jour, regarde Betrisani, il a fallu longtemps, ça c'est vrai. C'est une fusion magie, magicien d'eau, Star Wars. Oui, c'est ça, c'est un deck Star Wars, hein, ça. Complètement Star Wars. Je joue pas le lion. Non, le lion, il est pas bon. Le lion, il sert à rien. Basiquement, il sert à rien, le petit lion. Il a le même effet, il invoque un niveau 3 plus depuis la main en effet rapide. Vous payez 500, vous ciblez 3 Cosmo Bani, vous les remettez au cimetière. Et en fait, il faut bien comprendre que Cosmo, vous n'avez pas envie de mettre vos trucs au cimetière. Vous n'avez vraiment pas envie de les mettre au cimetière. Les seules fois où vous allez pouvoir récupérer du cimetière, c'est avec Oasis ou avec le Stormtroopers. Vous payez 1000 points de vie, vous ciblez un Cosmo qui est de type psychique en plus de ça, seulement les types psychiques, et vous l'invoquez spécialement. Sinon, dans l'extra deck, vous pouvez très bien jouer des cartes comme l'Évière, dans une certaine mesure, parce que vous pouvez, fait de Stormtroopers, invoquer un Stormtroopers. Donc avoir deux niveaux 3, et puis ensuite avec l'effet de l'évière, un invoquer un de ni max niveau 4 banni, comme par exemple l'épouvantail ou boîte. Donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez très bien aussi jouer de niveau 5 avec Sleep Rider. Vous pouvez mettre un deuxième Sleep Rider aussi à la place de ça. Vous pouvez très bien enlever lui et mettre un deuxième comme ça. Mais c'est une autre super rare, j'ai essayé d'être un petit peu budget à ce niveau. Mais vous pouvez très bien faire deux niveaux 5 et mettre par exemple des cyber... le Cybernova et le Cyberinfini, mais le Cyberinfini, attention, c'est une ultra. Mais en termes d'extra deck, franchement, c'est pas forcément nécessaire. Non, on ne joue pas le sabre laser non plus. C'est vraiment pas des bonnes cartes, tout ça. Sabre laser, le lion, c'est pas spécialement des bonnes cartes. Sabre laser, on rappelle, c'est équipable uniquement à psychique, il gagne 500 d'attaque et de défense. Durant chaque battle phase, il peut faire deux attaques et il est perse défense. Donc ça le boost, il attaque deux fois et c'est perse défense. Et si la carte est envoyée au cimetière, vous pouvez payer 800 points de vie et la reprendre en main. Mais franchement, des effets de battle avec les petits monstres, parce que ça n'équipe que les psychiques, c'est pas ouf. Aporia31, bienvenue à toi Aporia31. Propre, sympa comme deck budget. Voilà, on essaie de faire des decks budget au mieux. Et je pense que Cosmo en fait partie en tout cas.
Ça me semble être suffisamment efficace. J'ai rajouté aussi des cartes un petit peu génériques comme Grain Interdit et Torrential et Évacuation Forcée parce que ce sont des cartes extrêmement powerful qui sont simplement en rare. Et franchement, pour des decks budget, des cartes comme ça, on en a envie. Hein. Vous les verrez souvent revenir dans mes autres decks budget d'ailleurs. Je pense qu'on a fait le tour de Cosmo. Donc on va passer directement au deuxième deck budget que j'avais prévu, qui est Nécrose. Et Nécrose qui a été construit avec les incantations. Alors, Nécrose, c'est déjà un petit peu moins budget parce qu'il aurait fallu qu'on joue ça. Il aurait fallu qu'on joue la Entes. Malheureusement, vous pouvez déjà voir qu'il y a une ultra dans le deck. Il y a une... Mais, et je voulais vraiment me limiter à maximum une ultra rare par deck budget. Et malheureusement, Nécrose Trishula est quasiment obligatoire dans ce deck. Mais bon. Une ultra rare, c'est pas non plus la mort. Vous pouvez très bien jouer une Entes aussi en plus. Si vous avez le budget, vous pouvez vous le permettre. C'est d'ailleurs très conseillé. Donc Nécrose, c'était un deck très très... Vous aurez remarqué d'ailleurs que les decks que je vais proposer sont des decks qui ont été très forts il y a 5-6 ans, à peu près. Donc Nécrose, là je pense qu'il est basiquement full power pour l'époque où il était en TCG. La seule petite différence par rapport à la version TCG de l'époque, c'est que j'ai passé... pour histoire d'être un peu budget, c'est que j'ai retiré un cycle Nécrose pour mettre un miroir en plus, parce que le miroir était une carte normale, là où le cycle Nécrose est une super rare, mais sinon normalement vous êtes censé jouer ça x2, ça x2 et ça x2. C'est juste que pour une question de budget, j'ai préféré passer ça x1 et ça x3. Je rappelle que les decks budget ne sont pas forcément optimales en termes de decklist, hein. C'est juste histoire d'être le plus budget possible. Mais sinon, cependant, votre win condition, c'est que vous avez envie d'invoquer le Unicorn. Donc le Unicorn qui est basiquement un skin drain pour les monstres de l'extra deck. Et vous avez envie de protéger un maximum possible de la battle phase avec Nécrose Valkyrius. Vous allez faire vous allez dégager des cartes adverses avec Nécrose Trishula. Potentiellement aussi avec Gungir. Gungir aussi qui protège de la destruction en la défaussant en effet rapide. Donc vous allez aussi protéger votre Nécrose Unicorn pour ça. On va se servir de tous les lutins incantations pour pouvoir justement aller chercher nos nécroses et nos cartes magie rituelles. Plus les manjou et les senjou, il n'y a rien de bien surprenant à ce niveau-là. Et enfin, j'ai rajouté des livres de la lune parce que si vous prenez des impermanences ou des veilers sur les senjou et les manjou, vous n'êtes pas trop content. D'ailleurs, pareil pour les lutins incantations. Donc vous pouvez faire livre de la lune et hop, vous les remettez face cachée, ils ne sont plus affectés. Enfin, ils ne sont plus ciblables, pardon. Ah, merci à toi du follow, Aporia31. Même si les cartes les plus chères sont dans l'extra deck. Ouais, sans aucun doute, hein, Nécrose a clairement les cartes les plus chères dans son extra deck. C'est un deck FTK ? Oh non, pas du tout. Non, c'est un deck plus... comment dire ça ? C'est pas un deck combo, c'est... Ouais, j'aime pas le terme, mais c'est un deck midrange en fait, Nécrose. C'est un deck midrange qui veut juste tempo suffisamment pour pouvoir faire un one-shot derrière. Avec beaucoup de monstres invoqués rituellement dans le même tour. Mais sinon, vous allez faire de la protection en protégeant votre Unicorn, qui, basiquement, va bloquer l'adversaire. Alors ensuite, vous allez vous servir de Brionac pour renvoyer les cartes que l'adversaire a invoquées de son extra deck. Dans le pire des cas, vous avez aussi Soleil, ce qui permet de réduire un monstre de l'extra deck au silence, en le réduisant à 0 d'attaque et en le faisant perdre son effet. Valkyrie vous permet de faire piocher des cartes. Mais sinon, basiquement, vous allez juste garder votre Unicorn et le protéger avec Valkyrius, Gugnir et Trishula. En termes de gestion de board, Trishula c'est le meilleur, étant donné que lorsqu'il est invoqué rituellement, vous allez ban une carte de la main adverse, de son terrain et de son cimetière. Je rappelle que vous êtes obligé de faire les trois. Si un des trois n'est pas disponible, vous ne pouvez faire aucun des trois. Donc si l'adversaire n'a pas de carte sur le terrain, vous ne pouvez pas lui ban une carte de sa main ni de son cimetière. Il faut absolument ban des trois. Follow mérité, c'est d'utilité publique ce que tu fais. Merci bien en tout cas. Tu joues comment contre Monarque ? Contre Monarque ? Mais Monarque n'est pas un problème pour Nécrose. Parce que Monarque, basiquement, il va bloquer l'extra deck, mais Nécrose, il s'en fiche. Monarque, tu vas basiquement lui gérer des cartes avec avec Trishula. Parce qu'en fait, l'effet Trishula, il ne cible pas. Et donc, même si Monarque a des trucs qui peuvent empêcher de cibler, le cachant avec la magie continue qui dit que les monstres invoqués sacrifices ne peuvent pas être ciblés. Bah, Nécrose Trishula s'en bat les couilles. Il bypass ça et puis hop, let's go. Sinon, il y a quand même Valkyrius qui a 2900 points d'attaque. Trishula, on a 2700, c'est quand même pas si déconné.
Dans le pire des cas, vous êtes toujours Entes si vous l'envoyez au cimetière et si vous la jouez. Vous pouvez toujours aussi jouer le Livre de la Lune et reposer le Monarque face cachée. Mais bon, Monarque est déjà un deck très très niche pour pouvoir tomber contre. C'est quand même relativement rare de voir des Monarques sur Master Duel. C'est un peu un Tenny mais plus lent à installer en gros. Plus lent, je pense pas. Hein. Franchement, ça peut vite sortir le Unicorn T0 sans aucun problème. Regarde, je vais faire un exemple de pioche. Là, voilà, votre Unicorn, vous l'avez, hein, sans aucun souci. Là, bah, là, ces deux-là ensemble, ça fonctionne très très bien. L'idée, c'est que vous allez utiliser le Kaleidoscope pour invoquer Unicorn. Et le Kaleidoscope, il envoie des matériels pour faire des rituels depuis l'extra deck. Donc vous allez envoyer le héros de l'arc au cimetière avec l'effet de Kaleidoscope pour invoquer le Unicorn. Et derrière, vous allez déclencher l'effet de héros pour aller rechercher un autre monstre rituel derrière. En fait, l'avantage, c'est que Necroz, tout se tuto dans tous les sens. Tout va se chercher dans tous les sens. C'est un deck qui brique vraiment pas trop. En tout cas, de mémoire, en tout cas, je l'avais joué à l'époque. Mais c'est un deck qui ne brique vraiment pas du tout. Et l'avantage, c'est que vous pouvez... En fait, il faut anticiper votre prochain tour. Le gameplay de Necroz, c'est de pouvoir anticiper votre prochain tour et de se dire, ok, j'ai installé un board correct, c'est-à-dire pour moi, avoir minimum syndical, Unicorn sur le terrain, plus un Valkyrius en main, et derrière du follow-up pour votre prochain tour. Ça, pour moi, c'est le game plan même de Necroz. Je suis triste, je vais manger, je vais pas voir la suite des cartes pas chères. Ah bah t'inquiète, hein, on va y passer tout de suite. Monarque dans Master Duel, c'est vraiment pas jouable. Si, c'est jouable, c'est juste que j'en croise pas souvent. Mais le problème, c'est que les cartes Monarque, c'est les cartes les plus intéressantes, c'est des ultra rares. Donc, il va pas être dans les budgets. Après, moi, je suis pas un gars sympa. Je le joue avec le Monarque Lumière et la Vanity Ruler de niveau 8. Ouais, les decks lock, ouais, c'est un peu compliqué dans ces cas-là, effectivement. C'est effectivement un petit peu plus compliqué dans ces cas de figure. Donc ça, c'était pour Necroz. On va passer à un autre deck. Je sais pas s'il est beaucoup apprécié. Mais c'est trop Draco. Je joue Necroz. Mais malheureusement, mon Necroz, je veux bien le jouer, mais je l'ai pas encore au complet, comme vous pouvez voir. Bon, c'est un deck budget. C'est un deck budget, mais j'ai pas encore moi-même les gemmes. Mais un jour, je le jouerai sans aucun doute. Je le jouerai sans aucun doute. Mais il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai quand même 10 super rares qui me manquent, ça fait beaucoup. Enfin, beaucoup, parce que j'ai 0 super rares en stock. Mais si j'avais des super rares en stock, ça se ferait assez facilement. Alors, donc, Trou Draco. Pour certains, c'est un deck de feu de dieu. Il y en a pour d'autres, c'est l'Antéchrist. Un deck relativement budget aussi, avec quand même pas mal de super rares aussi. Mais bon, je ne me suis pas trop limité dans les super rares. La seule ultra rare que je me suis permis ici, c'est Terraformation, même si c'est pas forcément... Parce que juste Diagramme et x1, ça rend juste le deck quand même vachement moins stable. Et du coup, jouer Terraformation est quasiment obligatoire. C'est le seul gros défaut du deck sur Master Duel, c'est que Diagramme est x1. Sinon, le deck est excessivement fort. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter comment jouer le deck. Vous allez faire du Resource Management avec ces cartes-là. Ces deux-là, les magies-là, vous avez envie de les faire à tous les tours, en particulier Disciples. Il est ultra important de recycler vos Disciples. Parce qu'à partir du moment où vous avez vos 3 disciples au cimetière, votre match, vous l'avez perdu. Point. Vous avez perdu votre match. Il faut bien comprendre que Trou Draco, si vous avez... le gros intérêt de Trou Draco, c'est que vous recyclez en permanence toutes vos cartes du cimetière avec disciples, du véritable Draco Phoenix. Et les cartes que vous recyclez, c'est des cartes qui gèrent des magies pièges et des monstres. Les pièges gèrent les monstres, les magies gèrent les magies pièges. Et vous générez des cartes avec les monstres. Donc les monstres ici génèrent... Celui-là génère les magies qui vont détruire des magies pièges. Lui génère les pièges qui vont détruire des monstres. Et lui va générer les monstres. Mais basiquement, si vous voulez, ces cartes-là, vous avez envie de les envoyer au cimetière le plus souvent possible pour trigger leurs effets, pour gérer le board adverse. Mais en plus de ça, si vous les envoyez au cimetière, il faut bien les recycler un jour. Et c'est là que Disciple entre en jeu. Et c'est super important de recycler Disciple en priorité. S'il y a une carte à renvoyer dans le deck avec Disciple, c'est Disciple elle-même. Ça, si vous ne recyclez pas vos disciples, vous allez perdre une match. J'ai vu un nombre incalculable de joueurs, même, je vous avoue, j'ai même vu des miroirs de Trou Draco, où les deux joueurs n'ont jamais recyclé leurs disciples. J'ai envie de péter un câble. J'ai envie de les insulter. Je leur dis, mais les mecs. Voilà. Bref, la priorité de disciples, c'est de se recycler elle-même. Si vous ne recyclez pas elle-même, vous avez envie de recycler vos magies pièges
en premier. Enfin, essayer de recycler un mix, généralement. Essayer de recycler un mix de cartes. Histoire de toujours avoir de ressources de diverses et variées à disposition. Mais, disciple en priorité. En vrai, c'est un bon deck pour commencer les tournois quand on débute. Oui, c'est un deck qui passe crème, mais c'est facile de repérer les joueurs qui ne savent pas trop jouer le deck. Comme je l'ai dit, il y a un signe. Pour moi, le signe ultime d'un mauvais joueur de Trudrakos, c'est disciple qui ne recycle pas disciple. S'il y en a dans le cimetière. Parce que c'est littéralement recycler votre carte de recyclage. J'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est beaucoup trop bien. J'ai pas besoin de préciser plus pour dire à quel point c'est fort. Donc voilà, c'est vraiment priorité absolue sur ce deck. Sinon pour le reste, ben, rien bien méchant. Vous allez activer vos pièges pour pouvoir invoquer sacrifice pendant un tour adverse. Sacrifier vos magies pièges pour péter une carte adverse le cas échéant. Soit même activer Tempête des Monarques pour sacrifier un monstre adverse. Donc c'est toujours bien. Vous avez l'éruption des monarques, qui est une carte normale qui permet de faire skill drain basiquement sur tous les monstres qui ne sont pas invoqués sacrifice. À partir du moment où vous-même vous avez un monstre à invoquer sacrifice, donc ça risque pas d'être très difficile. En termes de pioche, vous avez carte d'exécution et vous avez pot de dualité qui sont très très fortes, surtout en Goïk Second. On rappelle aussi qu'il y a une autre interaction, c'est Diagramme avec les magies rapides. Donc Diagramme, on rappelle que ça ne cible pas. Pour pouvoir, une fois par tour, vous pouvez détruire une autre carte que vous contrôlez ou de votre main, virgule. Et si vous le faites, virgule, ajoutez une carte véritable au Trudrako ou roi véritable de votre main. Donc il n'y a absolument aucun ciblage dans cet effet. Et du coup, vous déclarez l'effet de diagramme draconique. Rien ne vous empêche de chaîner par exemple Typhon d'espace mystique ici pour détruire n'importe quoi sur le terrain. Résolution, Typhon d'espace mystique va détruire un truc. Résolution de chaîne 1, diagramme draconique va détruire une carte dans votre main ou sur votre terrain. Vous pouvez très très bien détruire Typhon d'espace mystique que vous avez activé, parce qu'on rappelle que dans une chaîne, les cartes sont envoyées au cimetière à la fin de la chaîne et non pas à la fin de la résolution de la carte. Donc Typhon d'espace mystique est toujours présente sur le terrain à la résolution de diagramme draconique. Et du coup, l'effet de diagramme draconique, hop, vous pétez votre Typhon d'espace mystique et vous allez chercher une carte. Et du coup, vous avez activé une carte pour deux cartes en une, et c'est complètement pratique. Et ça marche pour toutes les magies rapides. Hein. Monarque ne peut pas rentrer dans le deck budget malgré les cartes gratuites qu'il donne dans le solo pour Monarque. Faudrait que je vois les cartes qu'il donne solo pour, dans le mode solo. Mais le problème de Monarque, c'est que ben, y a ça qui est ultra, il y a ça qui est ultra, il y a ça qui est ultra. Et les trois sont absolument indispensables dans le deck. Absolument. Et Ether, c'est une fois 3. Erebus, c'est une fois 1 ou une fois 2. Faudrait que je revoie les listes. Ça, c'est une fois 1 ou une fois 2. Ça fait déjà quand même 5 ou 6 ultra rares. Sans compter les différentes super ici qui commencent déjà vite fait à se cumuler. Donc c'est pas forcément un deck budget. Mais voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout cité sur ce qu'il y avait à dire sur Trudrako. Et enfin le dernier. Bon bah c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Étant donné que je l'ai moi-même joué pendant longtemps. Donc Paléozoïque Frog. Donc Paléozoïque Frog, pas besoin de vous présenter non plus comment je joue parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le deck, même si c'était pas la liste, même si c'est pas exactement la liste que je jouais, enfin, et que je joue sur Master Duel, parce que je joue une version 60 cartes, mais avec beaucoup plus d'ultra rares pour le coup. Putain, vous êtes 20! Vous êtes 20, les gars! Finaise, on n'a jamais été autant! Incroyable! Merci à tout le monde. Du coup, Paléo, avec 40 cartes, bah, c'est une liste un peu classique. Hein. On joue le ratio classique de grenouille dans Paléo. On joue seulement deux Backjack parce que c'est quand même une super rare, donc on n'a pas trop envie d'en mettre plusieurs. Surtout qu'en plus de ça, à x3 dans un deck de 40 cartes, c'est pas forcément intéressant. On a envie de l'envoyer au cimetière avec Peine de Démon. Donc vous faites à la fois une interaction avec le cimetière adverse en lui renvoyant un truc dans le cimetière. Donc par exemple, s'il déclare un effet, je sais pas moi... Allez, on va dire, il active marqué en rouge par exemple, il cible une carte dans son cimetière pour pouvoir récupérer en main et invoquer Fusion. Bah hop, vous chaînez Peine de Démon, vous lui renvoyez la cible dans le deck. Et ensuite, vous allez envoyer votre Backjack au cimetière. Backjack qui lui-même va pouvoir récupérer un autre piège normal. Parce qu'on rappelle que lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous regardez votre top 3, vous remettez dans l'ordre que vous voulez. Et ensuite, effet rapide, vous pouvez bannir le Backjack depuis le cimetière. Révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un piège normal, vous pouvez la poser face cachée sur votre terrain et vous pouvez l'activer ce tour-ci. Sinon, si ce n'est pas une piège normale, vous envoyez la carte au cimetière. Mais comme vous pouvez remarquer, des pièges normales, et que ça dans ce deck-là. Donc vous allez générer un nouveau piège face cachée sur votre terrain. Surtout qu'en plus de ça, ben, votre top deck, vous l'avez trié. Donc généralement, un piège, vous en avez un.
Donc Peine des Démons, pour moi, c'est une carte vraiment excellente dans Paléo. Surtout qu'en plus de ça, vous pouvez très bien chaîner aussi un Paléozoïque. Je rappelle que les Paléozoïques sont des monstres de niveau 2 Aqua, donc pour faire Crapaudilique, pour faire Anomalocaris, pour faire Opabinia, c'est tous des monstres bien pratiques pour ça. Donc sinon, pas de surprise là-dedans. On rappelle une carte sous-estimée de fou, c'est Ascension Maximum. Et je pense que d'ailleurs, ceux qui ont joué au TCG avec Paléo, Tyrannamant, on a dû remarquer à quel point cette carte était absolument dégueulasse, dégueulasserie de puissance. Parce qu'on rappelle que cette carte, vous pouvez la bannir de votre cimetière, cibler un monstre sur votre terrain, et jusqu'à la fin du tour, en battle phase, l'adversaire ne peut attaquer que ce monstre-là, et uniquement ce monstre-là. Il ne peut pas attaquer d'autres monstres, il ne peut pas attaquer directement. Donc c'est-à-dire que si le monstre, entre-temps, a quitté le terrain par un autre effet de carte quelconque, par exemple Hommage Torrentiel, votre adversaire ne pourra juste pas vous attaquer. Point. Ce qui est excessivement fort avec les Paléozoïques, parce qu'on rappelle que les Paléozoïques sont des monstres, sont des cartes pièges qui reviennent en tant que monstres lorsque vous activez un piège, et en plus de ça, tous les monstres Paléozoïques sont inaffectés des effets de monstres adverses. Donc si l'adversaire ne peut ni les taper, ni les affecter avec des effets de monstres, bonne chance à lui pour le gérer. Et du coup, vous avez plein de pièges Paléozoïques sur le terrain, et bam, vous allez faire d'Exis 2, vous allez faire des liens, vous allez faire plein de choses sympathiques, et essayer de déborder l'adversaire de ressources. Ce deck, je l'ai joué dans le festival Normal Rare. Ouais, c'était un deck très très fort hein, pour ce festival-là. Du coup, j'ai loupé le deck 3, c'était lequel? Deck 3, c'était Trou Draco. J'ai mis Aquarium Aquactress. J'ai pas perdu une seule game en combat avec la magie du terrain qui booste les monstres. C'est vrai qu'il y a aussi cette magie normale. Comment elle s'appelle déjà? Cette magie qui booste les monstres de niveau 2 de 1200 points d'attaque. Magie de terrain. Il y a une magie de terrain qui fait ça, mais il faudrait que je la retrouve. C'est celle-là. Pleine marécageuse. Tous les monstres de type aqua au niveau 2 ou moins gagnent 1200 points d'attaque. Ça fonctionne avec les paléozoïques, hein, donc vous aurez très bien des monstres paléozoïques à 2400 points d'attaque. Si vous avez envie de la jouer pour le fun, mais je vous déconseille, c'est un deck contrôle qui est là pour généralement gérer les ressources adverses avec Dynamicus, par exemple. Donc ce monstre-ci. Lost Twin, ça marche très très bien aussi pour réduire les points d'attaque. On a Marella qui envoie du deck au cimetière. Un piège, donc vous pouvez très bien mettre Vent Perdu, vous pouvez très bien mettre Ascension Maximum. Vous avez aussi Léon Cholia qui permet de récupérer des cartes bannies et même des cartes bannies face verso, d'où la combo avec Pot Désir. Donc voilà. La Paléo, la lien 2 Paléo, elle fait quoi? C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent de cette lien là. Attendez, faut que je dégage le filtre. Paléozoïque. C'est une. En plus, c'est une ultra rare, mon dieu. En fait, il faut bien comprendre que cette lien-là, vous n'avez strictement aucun intérêt à l'invoquer quand derrière vous pouvez invoquer un crapaud d'élique. Je m'explique. Donc la carte, comme toutes les paléologiques, elle est non affectée par les effets d'autres monstres. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une seule fois par tour. Vous pouvez cibler une carte posée dans la zone magie piège, envoyer au cimetière. Et si vous faites poser un piège paléologique directement depuis votre deck, c'est pas le plus intéressant. En gros, c'est la carte dit que vous pouvez poser un piège paléologique depuis votre deck. Mais le gros problème, c'est que vous pouvez... il peut être activé ce tour-ci. Donc ça rappelle un petit peu Opabinia à ce niveau-là. Si une ou plusieurs cartes posées que vous contrez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière à la place. Ça permet de protéger plus Modam Harpy, mais généralement, vous allez préférer invoquer un Crapaudil qui fait bien plus de ressources que ce monstre-là. Puisqu'en plus de ça, il envoie du cimetière. Il doit cibler... Vous devez envoyer une carte depuis votre terrain au cimetière pour pouvoir poser un piège paléozoïque sur votre deck. Ce qui n'est pas forcément plus intéressant. Surtout que des cartes comme Hommage Torrentiel et Dispositif, vous n'avez pas envie de les échanger contre Paléozoïque. Et ensuite, deuxième problème de la carte, deuxième gros problème, c'est que c'est une lien et qu'elle demande deux monstres à Paléozoïque. Ce qui signifie que deux monstres Paléozoïques que vous avez fait revenir du cimetière et que comme du coup vous allez faire une invocation lien, elles vont être ban. Là où par exemple, si vous faites une invocation Xyz en intermédiaire, qui en plus de ça demande juste des monstres de niveau 2, là où lui demande exclusivement des Paléozoïques. Si vous faites passer vos Paléozoïques en tant que Xyz matériel, bah du coup ils seront réenvoyés au cimetière, du coup vous allez pouvoir les faire revenir une nouvelle fois en activant de nouveaux pièges, etc., etc. Donc je vous conseille très fortement d'utiliser vos Paléozoïques plutôt pour faire des Xyz, plutôt que pour faire des liens, comme Cambro Raster qui est vraiment pas intéressant. Ça permet aussi d'envoyer celle de l'adversaire, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut envoyer celle de l'adversaire, mais dans une moindre mesure, Paléozoïque vous envoie vite être going first. Vous pouvez très bien aussi invoquer Opabinia qui va aller chercher directement
votre Olenoïde depuis votre deck, l'activer tout de suite et refaire revenir des cartes. Il n'y a aucun intérêt à aller invoquer ce monstre-là plutôt que lui ou lui, en fait, tout simplement. Ces deux-là sont juste tout simplement meilleurs. Surtout qu'en plus, les stats sont pas folles. C'est 1200 points d'attaque. C'est vraiment pas assez. Mais c'est vrai que son intérêt principal, c'est qu'on peut envoyer une carte adverse. C'est vrai que j'avais pas y passé ça. Mais c'est son seul intérêt. Autrement, toutes les autres choses sont juste moins bonnes par rapport à Crapaud et au Paminia. Même Anomal Eucharist, pour moi, est juste meilleur. Alors que Anomal Eucharist demande 3 monstres de niveau 2. Mais les 3 effets de Anomal Eucharist sont incroyables. Je vous conseille très fortement d'invoquer Anomal Eucharist si vous en avez la possibilité. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les decks budget. Ça fera une bonne petite vidéo à mettre sur YouTube. Allez, on va partir en ladder maintenant, hein. Je remonte vite fait le deck Trou Draco. Voilà, pour ceux qui veulent prendre un screen.